La hanche est formée de l'os de la cuisse, le fémur et du bassin. Entre l'os de la cuisse et le bassin, il y a le cartilage. C'est une membrane qui permet le mouvement facile et sans douleur. La tête de l'os du fémur est arrondie et elle se loge dans le cotyle du bassin. Quand on consulte pour avoir une prothèse totale de la hanche, c'est qu'on fait de l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie du cartilage. Donc, on suppose que si le cartilage, son rôle, c'est de permettre le mouvement facile et sans douleur, si le cartilage est malade ou abîmé, ça va nuire au mouvement. Donc, comment ça se présente, les symptômes de l'arthrose? C'est de la douleur, des craquements. Souvent, la jambe va raccourcir en frottant dans le bassin. Il y a de l'ankylose et de la raideur. L'arthrose, ça peut s'adresser à une articulation, ça peut s'adresser à toutes les articulations. Ça peut progresser rapidement, ça peut progresser lentement. Chaque patient va développer sa maladie différemment. Quand on fait de l'arthrose, la seule solution pour régler le problème de santé, c'est d'installer une prothèse totale à la hanche. Donc, comme on le dit, la tête fémorale, l'os de la cuisse frotte dans le bassin, ce qui fait que ça s'use irrégulièrement. Le chirurgien va enlever la tête du fémur pour la remplacer. Donc, dès qu'il enlève la tête du fémur, ça lui donne accès à la moelle. Il va râper la moelle, puis il va installer la première pièce de la prothèse. J'ai deux types de prothèses en démonstration. La prothèse qui va recevoir une tête en métal, la prothèse qui va recevoir une tête en alumine céramique. Il y a différentes tailles de prothèses, puisque les os n'ont pas tous la même taille. Donc, quand le chirurgien prépare la hanche pour installer la prothèse, il y a un guide qui lui indique la taille qui vous convient. Donc, cette prothèse-ci, c'est une prothèse qui va recevoir une tête en métal. La tête de l'os du fémur a été enlevée, la moelle de l'os a été râpée et la prothèse est installée dans l'os. Alors là, on va mettre une tête en métal ou une tête en alumine céramique. Ici aussi, on a des différentes tailles parce que l'espace articulaire des uns n'est pas le même pour tout le monde. Donc, ça, c'est la première pièce de la prothèse qui s'appelle la tige fémorale. Ensuite, le chirurgien va aplanir le bassin pour mettre en place la cupule. Il va prendre une cupule en métal qui va remplacer notre cotyle. Il va le visser dans le bassin. Si la tête de la prothèse est en alumine céramique, il va mettre une cupule en alumine céramique pour compléter notre prothèse. Si la tête est en métal, il va mettre une cupule en polyéthylène pour compléter notre prothèse. Ce qui nous donne ceci. Donc, pour favoriser la guérison de la hanche et pour assurer une longue durée de vie à notre prothèse, il y a des restrictions de mouvement qui sont nécessaires. Donc, la hanche ne doit pas être pliée plus que 90 degrés pendant 6 à 12 semaines. Ça suppose qu'on ne se penchera pas pour ramasser des choses par terre. On ne lèvera pas notre jambe non plus pour se chausser. De plus, la position idéale pour la guérison des tissus dont je vous parle, c'est les genoux à égalité du bassin. Donc, en tout temps, pendant la période de restriction de flexion, vous devrez garder les genoux écartés. Ça suppose que le soir, la nuit, quand vous êtes couché, vous allez mettre un oreiller entre vos genoux pour garder l'écart entre vos genoux, puisque durant la nuit, on peut avoir des mouvements involontaires qui font en sorte qu'on pourrait faire le mouvement qui est contre-indiqué. Quand vous êtes assis dans un fauteuil, toujours vous assurez que le genou n'est pas plus élevé que le bassin. Il est contre-indiqué de rentrer le genou vers l'intérieur. Ça nuit à la guérison de la hanche. De toute votre vie, il n'est pas recommandé de croiser la jambe, puisque quand on croise la jambe, on risque de luxer la prothèse. Ce qui nous donne ceci. La cupule est fixée dans le bassin à l'aide de vis. La tige est insérée dans le fémur. Le mouvement se fait comme ceci. Lorsque le genou embarque par-dessus l'autre genou, la tête fémorale bute sur la cupule et il y a risque de luxation, que ce soit la jambe opérée ou l'autre, puisque le mouvement est le même.